Une participation inclusive et significative veut dire de prendre en compte les gens au même pied d'égalité. Ça veut dire égalité et équité de chances et de droits à tous les niveaux et sans discrimination. Pour que cette inclusion soit effective, il faut qu'on respecte tout ce qui est droit en faveur des jeunes. Je dis respect parce que nous signons des textes sans les appliquer. Il faut qu'on les applique. Et au moment aussi de l'approche, elle est très importante. Une approche double. Si je dis que l'approche est double et que nous prenons en compte ces jeunes qu'on considère marginalisés ou bien ces vulnérables qu'on considère marginalisés, nous les prenons en compte dès la formulation, à partir de la conception et de la formulation des projets et programmes, en passant par la mise en œuvre et le suivi et évaluation. Une façon de dire, il faut les intégrer dans nos programmes et projets et du développement. Le deuxième ingrédient est que, parallèlement aussi, il faut faire une discrimination positive. C'est ce qu'on appelle prendre en compte les besoins spécifiques de ces gens pour pouvoir mieux les intégrer.